Devenir même un temps restaurateur de meubles avant de véritablement devenir photographe professionnel à partir de 1952 grâce à l'appui d'autres photographes barcelonais qui lui permettent effectivement de devenir un photojournaliste pour les grands journaux espagnols barcelonais, en particulier type La Vanguardia. Et ça va être à partir de là jusqu'en 1975 son métier, sa profession et aussi sa vie. En 1943, il réalise un premier travail photographique, mais qui est plus un témoignage historique, puisqu'il va suivre le cheminement de ce qu'on appelle les évadés français, qui fuient la France occupée pour rejoindre l'Afrique du Nord en passant donc par l'Espagne. Cette série est le seul document iconographique qu'on a sur ce moment particulier de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et là, à l'époque, il n'est pas photographe, mais déjà, on a déjà des signes de ce caractère de photographe, qui est sans doute lié aussi à sa formation cinématographique. Jacques Léonard raconte des histoires, il raconte des histoires d'hommes, de femmes, d'êtres humains, d'une communauté lorsqu'il travaille sur les Gitans. Dans les années 50, dans la Barcelone qui est en pleine révolution industrielle et économique, en pleine reconstruction d'après-guerre, c'est un moment aussi de révolution culturelle pour la communauté gitane, qui utilise encore des roulottes, qui se déplacent. Là, la communauté gitane se fixe dans des bidonvilles. Donc il enregistre ça, cette installation dans les bidonvilles, que ce soit la vie quotidienne avec les mariages, les fêtes, la fête de la Saint-Jean. Il enregistre tout ça de l'intérieur. Jacques Léonard se fait invisible, il se fait spectateur mais jamais voyeur, et il a vraiment un travail de mémoire et presque un travail ethnologique, puisqu'on voit bien que son travail sur les Gitans est vraiment quand même très organisé. Il montre les fêtes, il montre le mariage, il montre les pèlerinages, il va jusqu'à la veillée mortuaire, il montre la préparation des repas du quotidien, il montre la place des enfants, les activités aussi des enfants. Ce travail presque d'enquête et de collecte et de mémoire, il y a ce regard du photographe de très très haut niveau, tant par les points de vue, par les cadrages, par les compositions, par le travail sur les tirages aussi, le choix de surexposer les ciels qui deviennent presque blancs pour mettre en avant justement le contraste des figures et la matière des figures qu'il représente. Donc il a cette qualité qui vient renforcer quelque part justement ce simple travail d'enquête qui n'est pas un simple témoignage, mais qui est quelque chose qu'il vit de l'intérieur. Il est capable de recadrer dans ses images carrées lorsqu'il en a vraiment besoin ou lorsqu'il veut vraiment avoir un discours. Et le fait que Jacques Léonard ait côtoyé de grands réalisateurs français comme Abel Gance en particulier, quelque part il a gardé ça dans son travail de photographe. Et je trouve ça intéressant d'avoir ce fil conducteur, à la fois la notion de raconter des histoires comme au cinéma, et aussi avoir des cadrages et des compositions qui sont vraiment liées à ce regard cinématographique.